DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose de revenir sur le dossier nouveau sélectionneur de la République démocratique du Congo. Après le faux bond de Hugo Bros, on a parlé de Roland Courbis, mais Claude François Akabulo Moana Akabulo réfute en tout cas toute cette affirmation qui a eu lieu dans les réseaux sociaux, entre autres, et qui confirmait l'arrivée de Roland Courbis. Il dit que ce sont des rumeurs des réseaux sociaux. Il est revenu aussi sur le feuilleton Hugo Bros et que la République démocratique du Congo, d'après certaines informations qu'il a reçues, qu'on aurait perdu cet entraîneur-là à cause d'un Congolais résident en Belgique. Et bien évidemment, c'est lui qui aurait orienté Hugo Bros vers l'Afrique du Sud. Est-il agent de Hugo Bros? Et là, il n'a pas donné tout à fait des détails. Une information à prendre, c'est vrai, avec beaucoup de réserves. J'aimerais vous proposer cet extrait, en tout cas, où Kabulo Moana Kabulo revient un peu sur ce dossier qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Et ensuite, bien sûr, nous allons clôturer ce dossier. Et bien entendu, tout en vous rappelant que vous êtes en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, vous êtes nouveau ici, s'il vous plaît, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivons cet extrait avec Claude François Kabulo Moana Kabulo et nous nous retrouvons bien entendu tout de suite après. J'espère également qu'on a discuté autour de l'application stricte de la loi numéro 11/023. Toutes les réclamations des dirigeants trouveront des réponses dans cette loi. On m'a dit que ça a été l'objet également de la discussion avec le ministre Condé, parce que si la loi n'est pas appliquée, bon, on pourra vous faire des faveurs. Que par contre, si la loi est appliquée comme il faut, en tout cas, vous trouverez des solutions à ces problèmes. C'est des dossiers donc qu'il faut suivre régulièrement. En ce qui concerne le coach, je peux vous assurer qu'il n'y a pas de coach officiellement nommé. Il y a un bruit qui a circulé. On a parlé de Roland Courbis comme quoi entraîneur de l'équipe a été nommé. Non, c'est des bruits. Ça circulait hier dans les réseaux sociaux. C'est vrai que Hugo Bros était au point de conclure avec la République démocratique du Congo. Mais vous savez, dans ces histoires-là, c'est comme dans un couple. Mais celui qui est rapide, il prend la femme, il s'en va. Comme nous on traînait, il y a trop de formalités. Les Sud-Africains sont tombés sur Hugo Bros. Certainement qu'ils lui ont proposé plus. Et le Belge n'a pas hésité, il est parti. Mais on nous dit qu'il y a un Congolais qui est derrière, qui réside en Belgique et qui aurait Hugo Bros pour qu'il ait un Africain. Il est avec l'Afrique, je ne sais pas, parce qu'il est Congolais, qui va là, il gagne son pain, c'est son job, donc il est peut-être conseiller de Hugo Bros, c'est peut-être son agent, mais il lui a trouvé les bons marchés en Afrique du Sud, et les Belges a choisi donc l'Afrique du Sud, et nous l'avons perdu. Maintenant, il est question de trouver un autre entraîneur sur la table, et de la FECOFA et du ministère, ça se négocie encore, mais je peux vous confirmer, si je reçois des coups de téléphone, j'ai essayé de contacter les responsables, ceux qui gèrent ces dossiers dans notre pays. Je rappelle que l'entraîneur national en République démocratique du Congo est
est nommé par le ministre en charge des sports et loisirs sur proposition de la fédération. Donc la fédération, si elle a des candidatures, elle peut négocier. Après, il envoie ses dossiers. Certainement qu'ils peuvent échanger avec la FECOFA et il prendra la dernière décision. C'est le ministre qui prend la dernière décision pour la simple raison que les salaires doit être garanti par le gouvernement parce que c'est l'État congolais via le ministère des Sports qui paye le staff technique. Donc il faut absolument le point de vue du ministre. Nous n'en sommes pas encore là. C'est en train de se négocier, mais ceux qui négocient, ils ne veulent pas qu'il y ait trop de bruit autour de ces négociations parce que si ça s'ébruite, on risque de perdre le prochain candidat comme on l'a fait avec Hugo Bros qui était à la porte. Mais ça s'est tellement ébruité que d'autres pays se sont réveillés en disant « Ah, voilà, la RDC avait un bon choix, ils sont tombés dessus. » Et c'est comme ça que nous avons perdu Igor Gross par manque de discrétion. Donc je vous confirme qu'on n'a pas d'entraîneur national aujourd'hui en RDC officiellement nommé par le ministre de Sport, mais que par contre il y a des négociations dans le couloir. Les négociations se poursuivent en silence. Le moment venu, on annoncera officiellement le nouvel entraîneur des Léopards de la RDC. Et nous prenons tout notre temps pour la simple raison que les éliminatoires qui devaient se jouer dans un mois, donc le week-end du 6-7-8 juin, sont reportés au mois de septembre. La FIFA estime que c'est vrai qu'il y a beaucoup de demandes des pays qui ne sont pas prêts. Il y a certes les stades qui sont suspendus pour certains pays, mais d'autres, les stades sont homologués. Mais même cela, la première journée, la deuxième repoussée au mois de décembre, ça peut permettre aux pays dont les stades sont suspendus de mettre la dernière main rapidement. Mais ça peut permettre aussi, comme c'est le cas de la RDC, à ceux qui désignent, à ceux qui choisissent des entraîneurs, de prendre leur temps. Parce que maintenant, le match, c'est au mois de septembre, donc on n'est plus pressé. Donc on attend. Ceux qui écrivent de fausses informations dans les réseaux ne s'en prendront qu'à eux-mêmes. Je vous confirme officiellement que la RDC n'a pas encore d'entraîneur national au niveau de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Voilà, nous avons quelques brèves avant d'entamer les principaux sujets de notre émission aujourd'hui. Je peux vous annoncer que les Brésiliens que vous connaissez, Neymar, âgé de 29 ans aujourd'hui, et qui joue dans l'équipe du Paris Saint-Germain, eh bien, il est content de rester à Paris et il a signé pour... il a prolongé son contrat jusqu'en 2025. Il préfère rester à Paris. Finalement, je crois que aujourd'hui il est âgé de 29 ans, plus 4 ans. Ça lui fait combien? 36 ans. 34 ans. Donc 34-35. Vous comprenez que Neymar va terminer de sa carrière au PSG. Peut-être qu'après, il peut aller faire une pige aux États-Unis d'Amérique ou dans les pays arabes ou en Chine pour gagner encore deux sous. Donc, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui supportent l'équipe du PSG. Bon, Neymar reste au Paris Saint-Germain parce qu'il vient de prolonger son contrat jusqu'en 2025. Par contre, Kylian Mbappé, il était hésitant. Est-ce qu'il va aller au Real Madrid? Est-ce qu'il va rester? Mais là, il a posé un problème qu'à la dernière information, il veut rester au Paris Saint-Germain, mais il pose des problèmes qu'il faut absolument qu'on recrute des joueurs de très bonne qualité, surtout les milieux du terrain. Paris Saint-Germain a loupé de se qualifier en finale parce qu'il n'y a pas de joueurs de qualité. C'est vrai, Verratti est là, mais je pense qu'il commence à se fatiguer un peu. Alors il a demandé qu'il y ait des recrutements sérieux, des recrutements professionnels avec des joueurs aguerris et d'expérience qui peuvent permettre au PSG de jouer la finale pour la deuxième fois et peut-être la gagner parce que c'est l'un des objectifs des dirigeants. Alors nous allons, si vous aimez Paris Saint-Germain, eh bien PSG jouera un match important ce soir contre l'équipe de Rennes. Alors en Espagne, hier Barcelone a fait match nul avec Atlético Madrid 0-0. Là les classements également, mano à mano, c'est très serré.
et les deux seront départagés ce soir parce que l'équipe du Real Madrid va jouer contre le football club de Séville. Et si jamais Real de Madrid gagne ce soir, eh bien, se retrouvera en tête du classement parce que là, c'est très serré. Atlético Madrid à 77 points, Barcelone à 75 points. Real Madrid à 74 points, donc c'est très très serré et nous suivrons nous tous les dénouements de ce championnat. En Allemagne, il n'y a pas de problème, Bayern de Munich depuis hier a remporté le championnat d'Allemagne pour la 9e fois consécutive. Bayern de Munich a battu l'équipe de Mönchengladbach par 6 buts à 0 et Lewandowski a marqué 3 buts. Au total, il totalise 39 buts, mais le record de buts au championnat d'Allemagne est détenu par le grand Gerd Müller. Il a 40 buts, donc Lewandowski, et à un seul but du grand avant-centre Gerd Müller des années 70. Il fut un grand avant-centre de l'équipe du Bayern de Munich. Alors, nous allons aborder les cyclismes. Et avant le cyclisme, nous avons le basketball. Vous savez qu'à un moment donné, l'Afrique ne comptait que sur deux grandes sélections. Le Sénégal et la République démocratique du Congo. C'est vrai qu'on avait vraiment brillé dans les années 80-81. C'était extraordinaire. Et vous vous rappelez, cela fait 38 ans et que les Léopards avaient gagné leur premier titre. C'était le 23 avril 1983, avec une génération très très riche, avec des basketteuses de très... Voilà, nous sommes de retour, hein, vous l'avez suivi, François-Claude Kaboulo Mona Kaboulo qui est revenu hein, sur cette information, en tout cas qui a, c'est vrai, qui a alimenté hein, la toile pendant le week-end, hein, où au niveau du gouvernement d'ailleurs, le ministre des Sports Serge Kondé annonçait qu'un accord avait été trouvé avec le technicien français Roland Courbis, mais que finalement ce dernier a eu à réagir hein, pour dire que c'est vrai qu'il avait des contacts, mais que rien n'était encore décidé, d'autant qu'il est encore sous contrat. Mais Kaboulo parle des rumeurs au niveau des réseaux sociaux, alors que Roland Courbis a réagi, alors que le site l'équipe.fr a relayé l'information de l'AFP, puisque c'est l'AFP, l'agence France Presse, qui avait contacté notre ministre des Sports, Serge Kondé, et ce dernier, qui avait reçu effectivement la composition du nouveau staff technique de la Fédération Congolaise de Football Association, approuvée par le gouvernement, qui en fait doit se charger de rémunérer ce staff technique. Et Serge Kondé avait justement donné son accord par rapport à ce nouvel entraîneur hein, pour relever le défi ici en République démocratique du Congo, notamment avec comme objectif de nous amener à la Coupe du Monde Qatar 2022. Mais Kaboulo parle des rumeurs des réseaux sociaux, alors que l'information était tout à fait vraie, puisque l'agence France Presse a donné cette information après avoir interviewé le ministre des Sports, Serge Kondé. Qu'à cela ne tienne, il est vrai que Hugo Bros était le choix de la Fédération Congolaise de Football Association, mais que ce dernier, au finish, a été détourné vers les Bafana à Bafana qui ont offert, hein, c'est vrai, peut-être un meilleur projet. C'est vrai que la Fédération Sud-Africaine de Football a aussi plus de moyens que notre fédération. Alors, c'est vrai qu'on a perdu Hugo Bros hein, et que très certainement on pourrait avoir un technicien français, puisque Hugo Bros était de nationalité belge. Et vous avez suivi François-Claude Kaboulo qui est revenu sur ce dossier et qui nous dit que ce serait un Congolais résident en Belgique hein, qui aurait orienté Hugo Bros vers l'Afrique du Sud. Est-il son manager? Il n'en sait rien. C'est une information qu'il a reçue ainsi. Bon, c'est quand même triste hein, si c'était un Congolais. Ça nous attriste, même si ce serait entre guillemets, on peut dire, hein, son job. Alors, je ne sais pas. Est-ce que en amenant Hugo Bros ici, ça n'aurait pas été intéressant pour lui? Bon, peut-être, hein, c'est une affaire d'intérêt, mais en tout cas, l'information, nous la tenons de François-Claude Kaboulo, Mona Kaboulo, et vous l'avez suivi. Alors, en ce qui concerne Roland Courbis, les discussions doivent certainement se poursuivre hein, pour savoir comment régler cette problématique hein, de son contrat actuel avec son employeur actuel RMC. Je pense que c'est ça qui est un peu la pomme du discorde. Hein. Mais si une solution, un arrangement est trouvé, il pourrait vraisemblablement venir ici en République démocratique
démocratique du Congo et avec Claude Makelele qui venait d'être désigné comme ambassadeur du football congolais, dont la tâche principale sera justement de chercher à convaincre les binationaux à rejoindre l'équipe nationale. Je pense qu'avec un technicien français, l'entente pourrait être très bonne, hein, et ça pourrait permettre en tout cas une symbiose au sein de l'équipe nationale et ramener tous ces binationaux qui ont un très bon niveau et qui pourraient en tout cas hausser une fois de plus le niveau de la République démocratique du Congo et ainsi nous permettre d'atteindre les objectifs qui sont les nôtres, notamment celui de chercher une qualification à la Coupe du Monde en commençant d'abord par sortir premier de ce groupe, hein, J, avec la Tanzanie, le Madagascar et le Bénin, groupe qui ne sera pas facile, hein. Et donc si nous essayons un peu de mettre tout en place, hein, une organisation en place, je crois que le tout pourrait bien aller. Avec les informations que nous avons eues, la RDC pourrait avoir deux matchs amicaux au mois de juin. Je pense que le nouveau sélectionneur qui viendra pourra en tout cas se faire une idée sur la composition, hein, de son effectif prochain en vue des échéances qui nous attendent. Vous savez que les éliminatoires de la Coupe du Monde ont été repoussés au mois de septembre, hein, pour permettre à certains pays en tout cas une meilleure organisation. Voilà ce dont nous avons voulu partager avec vous. Nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Si vous avez un point de vue à partager avec nous, n'hésitez pas en tout cas de nous laisser un commentaire. Merci de vous abonner aussi à cette chaîne DMTV si vous êtes nouveau ici, hein. Et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous qui nous avez suivis. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.